like I belong. Yeah, out of the rain. Out of the rain. Yeah. I said he said that he was just as quand je n'aurai plus ma vie. J'étais sur le premier Jésus-Christ qui je prendrai ma guitare avec moi et peut-être mon chien s'il est encore là. J'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. La dame de Haute-Savoie. Des beaux souvenirs. On retrouve Patricia dans quelques minutes avec des chansons de Obispo et de Jean-Jacques Goldman. Alors c'est, après... c'est des belles rencontres quand on peut chanter comme ça. Ça amène plus parce que tout d'un coup, il y a un partage, un regard. Et... Un mot sur Placido Domingo, quand même, c'est impressionnant. Ça. Et puis vous avez fait un duo avec Pavarotti aussi. Oui, et je me souviens, cette histoire de Placido Domingo, j'avais très peur. Oui. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours la voix lead. Et là, il fallait faire des harmonies, des tierces et des choses comme ça. Et j'avais très peur. J'avais très, très peur ce jour-là. Avec un orchestre philharmonique. Tout était en direct. C'était diffusé en direct à la télé et tout. Mais pareil, ça, c'est des moments où on a peur. On a énormément le trac, mais on apprend tellement de choses. Et ça donne un coup à la confiance aussi. Et ça, je crois que j'avais souvent besoin de me donner un petit coup de confiance. Alors maintenant, à nos côtés, quelqu'un que vous voulez nous faire connaître, mais les spécialistes le connaissent, c'est un très grand médecin, un grand professeur, chef du service de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique à l'hôpital Rothschild et au centre des grands brûlés de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, c'est le professeur Maurice Mimoun. Alors, vous avez voulu le rencontrer, nous le faire connaître. Voilà, nous on se connaît. Oui. Parce que déjà, premièrement, j'ai été contactée parce qu'il s'occupe aussi, entre autres, chaque année, d'organiser un spectacle. C'est ça, hein, et on m'a demandé de chanter, donc ça, c'était le premier contact, mais on a aussi des amis communs, de mon médecin, mon généraliste, et puis très souvent, on s'est vus à mes concerts, et puis c'est très intéressant de rencontrer des gens intéressants, de pouvoir parler, et puis l'histoire, parce qu'un jour, il m'a raconté, parce que moi, je connaissais pas tellement, il m'a raconté cette histoire de l'opération de cet homme oui. Qui tu avais implanté. Il faut préciser, Patricia, que le monde entier a entendu parler du professeur Mimoun, puisqu'il y a quelques temps, une opération vous a rendu célèbre. En effet, vous avez greffé un pied sectionné
sur l'avant-bras d'un blessé. Sur l'avant-bras d'un patient, parce que la jambe était dans un état délabré, je ne pouvais pas la rebrancher immédiatement sur la jambe. Donc j'ai mis le pied en nourrice sur l'avant-bras pour que le pied vive un certain nombre de mois d'ailleurs, pour ensuite le rebrancher une fois que la jambe était réparée en bas. Alors vous êtes un spécialiste de la peau, entre autres, vous soignez les grands brûlés. Oui. Les greffes de peau, c'est un peu votre spécialité. Quand on dit que la peau retrace notre histoire, vous dites que quand on la pénètre, elle ne le pardonne pas. Oui. Et vous comparez souvent votre métier, m'a-t-on dit, à un métier de sportif de haut niveau, à la fois un métier manuel et intellectuel. Oui, c'est un très très beau métier, le métier de chirurgien. Le chirurgien plasticien, c'est extraordinaire. On travaille avec un organe qui est la peau. On n'a pas l'impression que c'est un organe, la peau, parce que c'est souvent plus ramassé. Là, c'est notre enveloppe, c'est la limite entre l'extérieur et l'intérieur. Et à chaque fois qu'on pénètre, et un chirurgien pénètre à l'intérieur, eh bien, il laisse une marque. Et la peau, à chaque fois qu'on rentre à l'intérieur, elle laisse sa marque. Donc la peau retrace notre histoire. On ne peut pas effacer une cicatrice. Alors, l'avenir de votre spécialité, la peau, ça se cultive. On cultive la peau maintenant pour la greffer. Alors, pour les grands brûlés, c'est une voie de recherche extrêmement importante. Effectivement, actuellement, on a un capital de peau. Le grand brûlé, il n'a plus beaucoup de peau et il meurt par manque de peau. Donc, il faut essayer d'en fabriquer. Alors, la culture de peau, ça permet de sauver la vie des gens. Malheureusement, la peau qu'on lui greffe, il faut dire ça aux gens, parce que les gens pensent que ces peaux cultivées sont jolies. Elles ne sont pas jolies encore actuellement, mais elles permettent de sauver la vie. Mais malheureusement, le revêtement cutané... Ce n'est pas très esthétique, mais l'avenir, c'est comment faire pour effacer les cicatrices? L'avenir, c'est la gomme à effacer les cicatrices. La gomme à effacer les cicatrices. Ah, ça serait extraordinaire. On ne sait pas encore effacer une cicatrice. Peut-être que demain, on le saura. Ouais. Ça a beaucoup progressé. Il y a des choses qui sont apparues, comme les expandeurs cutanés, qui sont des ballons qu'on met sous la peau pour faire gonfler la peau normale. Et on tire comme une couverture la peau qu'on a fait gonfler auparavant. Comme la femme enceinte, on sait pas voir. Le métier de chercheur, c'est de regarder. La femme enceinte, elle fabrique de la peau pendant 9 mois. On a mis des ballons sous la peau pour fabriquer de la peau, et au bout de quelques mois, on les enlève et on redrape cette peau comme une couverture. Je voudrais rappeler qu'il y a aussi une association qui vous tient à cœur, qui s'appelle Children Action. Oui. Qui est dirigée par Bernard Sabrier, et dont je m'occupe avec le docteur Rive et le docteur Lecoutre, et qui s'occupe des enfants brûlés. Vous savez, la brûlure, c'est souvent... les milieux défavorisés, que ce soit en France ou que ce soit dans les pays avec peu de moyens. Au Vietnam, par exemple. Et quand on voit des enfants qui sont estropiés au Vietnam ou ailleurs et qui marchent sur les genoux, et que parce qu'on passe par là, si j'ose dire, et que des équipes de chirurgiens viennent, on arrive à les faire remarcher sur les pieds, qu'on sait que parce qu'on a passé 2 heures à les opérer au lieu de passer toute leur vie en marchant sur les genoux, ils vont marcher sur les pieds, on rentre avec un grand bonheur si tout le monde donne un peu. Je ne veux pas dire qu'il faut faire que ça, mais si tout le monde pouvait donner un peu, et c'est ce qu'on a fait avec Children Action, c'est-à-dire il y a une chaîne de chirurgiens, une chaîne de donateurs, des artistes et des artistes qui viennent, aider, chacun dans sa compétence, mais chacun dans son extrême compétence pour le faire. Il y a régulièrement nous, c'est très petit à côté c'est des concerts. De ce que... Non, attendez, c'est pas petit sans les concerts, on ne pourrait pas le faire. Il y en a bientôt. Oui, il y a une question. Je crois que ça va se faire l'année prochaine. L'année prochaine, au mois d'octobre. Genre. Vous nous le direz, on annoncera. Avec plaisir. Alors, Patricia voyage beaucoup dans le monde. Et je me souviens, c'était il y a 2 ans, d'une visite au Kosovo, à Pristina. Oui. On va voir des images de ça. Et là, tu répondais à l'invitation de Vanessa Redgrave, la comédienne. Hein? C'était dans quel cadre ça? C'était une invitation de... C'était à l'aide, c'était juste après les problèmes, les grands problèmes qu'il y a eu au Kosovo, de faire un vrai spectacle, parce qu'il y avait beaucoup de chanteurs de leur pays, et c'était d'être là, d'être présente, et puis ensuite de profiter aussi et d'aller encourager et dire un grand merci à tous ces soldats français qui étaient là-bas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va taper sur une table et dire voilà, il faut faire ça, faire ça, faire ça, parce que je crois qu'il y a des gens plus intelligents ou qui connaissent beaucoup plus, qui peuvent parler beaucoup mieux que moi de tous ces problèmes. Moi, j'interviens et j'aime intervenir en chantant, parce que c'est ce que je sais faire le mieux, et je sais qu'à travers mes chansons, alors des fois on peut amener les gens à oublier leurs problèmes pendant une chanson ou un spectacle, mais aussi c'est un petit peu comme un cri du cœur qui est que voilà, on est là
Et on soutient ça. Et il y a beaucoup de gens qui s'identifient aux chanteurs. Et voilà, donc moi, dès que je peux faire quelque chose, pour moi, c'est important de prendre ce temps et de le faire. Alors, je le fais pour plein de choses. J'en parle pas souvent, parce que je suis timide, mais parce que je veux pas en faire une publicité. Je pense elle que est, c'est pour... Elle est timide, parce qu'elle fait beaucoup. Mmh. Elle est très généreuse et timide. Ouais, mais bon, quand je peux, je pense que c'est important de le faire. Maurice Mimou.